Les objectifs du Challenge Interleague sont multiples. C'est avant tout une opération de détection qui doit permettre aux meilleurs joueurs de la région de participer à un stage national U15 en vue de préparer les futures équipes de France de jeunes. Ils sont multiples les objectifs parce qu'il doit aussi permettre à nos joueurs qui évoluent dans les clubs amateurs de montrer toutes leurs qualités auprès des représentants des clubs professionnels qui observent ce challenge, pour que certains éléments puissent intégrer la filière d'accès du haut niveau par le biais des centres de formation de clubs professionnels. Je m'appelle Léo Bouton, je joue à Chambre des Tours. Je fais du foot depuis que j'ai 5 ans. La première année au Pôle Espoir, j'ai pas été pris. J'ai été pris que la deuxième année. Ça représente beaucoup par rapport à mon club, même à mon ancien club, et puis par rapport à la famille. Et puis je suis très heureux d'avoir été pris. Le foot, c'est assez difficile pour y arriver, qu'il y a beaucoup d'étapes et que ça, c'est une étape à prendre, d'être ici. Le Pôle Espoir, je suis très content d'y être. C'est un très bon Pôle Espoir, on s'entraîne bien tous les jours. Puis c'est très bien encadré.